Monsieur Jean-Louis Baucher, Madame Joëlle Bravetti donne procuration à Madame Sonia Porte, Monsieur Jean-Louis Zambernardi, Maître Juliana Chichmanian, Monsieur Robert Bojanovic donne procuration à Madame Baraja, Madame Monica Logier, Monsieur Charlie Rigucci, Monsieur Richard Comte, Madame Gisèle Amédéo, Madame Claudine Kokloff, Madame Nicole Piefort, Monsieur José Cosentino, Madame Patricia Bonifaci, Madame Patricia Degus donne procuration à Monsieur Jean-Louis Baucher, Monsieur Robert Capelier, Madame Sonia Porte, Monsieur Marco Fugaro, Madame Anne Reynaud donne procuration à Madame Monica Logier, Monsieur Régis Belli donne procuration à Monsieur Fugaro et Monsieur Johan Guido me donne une deuxième procuration. Madame Eva Scolari, Monsieur Steph Betty, Madame Caroline Beuil, Madame Florence Bastiani donne procuration à Madame Caroline Beuil, Monsieur Xavier Lagache et Madame Gisèle Marchessoux. Merci à toutes et à tous. Nous avons donc comme secrétaire de séance Madame Eva Scolari. Nous demandons l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2020. S'il n'y a pas de remarques, ce n'est pas grave, José, ça ira pas plus bas. Est-ce qu'il n'y a pas de remarques particulières, mis à part une faute d'orthographe en page 3 qui a été corrigée? Et nous allons donc pouvoir examiner les points à l'ordre du jour. Le premier point. Pour Monsieur Jean-Louis Baucher, il s'agit du stationnement sur voirie, ce qu'on appelle la dépénalisation du stationnement et notre convention passée avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Monsieur Baucher, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPAN, a réformé le stationnement en prévoyant de remplacer à compter du 1er janvier 2018 l'amende pénale sanctionnant une infraction au stationnement sur le territoire par une redevance d'occupation du domaine public dont le montant est fixé par le conseil municipal. Selon la délibération du 11 octobre 2017, le tarif du stationnement sur voirie varie pour une durée de stationnement de 8 heures, de 1,40 € de l'heure à 20 euros. En cas de non-paiement, les usagers doivent s'acquitter d'un forfait post-stationnement, le FPS, d'un montant de 20 euros. Concernant les modalités de mise en œuvre du forfait post-stationnement, la commune avait opté par délibération du 28 juin 2017 pour la conclusion d'une convention avec l'Agence nationale pour le traitement automatisé des infractions, l'ANTAI, qui s'engage au nom et pour le compte de la commune, à notifier par voie postale ou par voie dématérialisée l'avis de paiement du FPS aux redevables et à traiter les FPS impayés. Cette convention étant arrivée à échéance le 31 décembre 2020, je vous propose de conclure une nouvelle convention avec l'ANTAI, dont le projet était joint en annexe de l'ordre du jour, d'autoriser M. le maire à signer ce contrat pour une période allant de sa date de signature jusqu'au 31 décembre 2023. Y a-t-il des questions? Oui, pas de questions. Monsieur Baucher, est-ce que vous voulez nous rappeler à quelle hauteur nous avons décidé de mettre le forfait post-stationnement à Villefranche, s'il vous plaît? Il est de 20 euros, monsieur le maire, 20 euros. Ce qui est le cas également, je crois, à Beaulieu-sur-Mer, hein, c'est bien ça? Oui. Il y a d'autres communes qui sont nettement au-dessus. Hein. Il y a très peu de communes en dessous dans le tarif, mais globalement, c'est entre 17 et, je dirais, 58 euros au niveau national. 58, oui, il y en a qui ont passé même le cap. Voilà, donc on est dans un ordre moyen, le FPS, donc les 20 euros, c'est l'équivalent d'une journée de paiement si une personne paye 8 euros d'horodateur. 8 heures d'horodateur dans la journée, c'est 20 euros. Bien, merci. Pas de questions? Vous pouvez faire procéder au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Merci beaucoup. Le point numéro 2, il s'agit du marché d'exploitation de performance énergétique. Et c'est Maître Juliana Chichmanian qui va soutenir cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Un appel d'offres a été lancé pour des prestations d'exploitation des installations de génie climatique des bâtiments communaux de la ville de Villefranche-sur-Mer.
L'estimation prévisionnelle du marché était de 920 000 euros hors taxes sur 8 ans. La mise en concurrence a été lancée via la procédure d'appel d'offres ouvert et sont citées, et je les considère comme répétées, les dispositions du Code de la commande publique. La consultation a porté sur des prestations de services attribuées par marché unique d'une durée globale de 8 ans, qui est composée en une tranche ferme et deux tranches optionnelles, mise en place d'une gestion technique centralisée dans les écoles et la crèche, mise en place de comptage électrique et thermique des pompes à chaleur du palais de la marine et de la crèche. L'avis d'appel public à la concurrence a été régulièrement publié et la procédure a été dématérialisée. La date limite de réception des offres était initialement fixée au 14 septembre 2020 à 12 heures et a été prolongée au 21 septembre 2020 à 12 heures. À cette date, deux réponses ont été enregistrées. La séance d'ouverture des plis a eu lieu le 1er octobre 2020. Au cours de celle-ci, l'administration a constaté la présence des pièces exigées pour étayer les candidatures ainsi que les offres. Une analyse des éléments techniques et financiers de chaque offre a été demandée à l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Les entreprises ayant fait acte de candidature et soumissionné sont Veolia Énergie France et IDEX Énergie. La commission d'appel d'offres s'est donc réunie le 9 décembre 2020. Après avoir pris connaissance du rapport d'analyse de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, la commission a jugé économiquement la plus avantageuse au regard des exigences du cahier des charges l'offre suivante, pour le lot unique, l'offre de la société Veolia Énergie France pour un montant total hors taxe de 795 159,35 euros, incluant la tranche ferme et les tranches optionnelles 1 et 2. Je vous propose donc d'entériner le choix de la commission d'appel d'offres et d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché de performance énergétique comprenant P1 multifluide, P2 et P3 avec la société Veolia Énergie France. Avant de passer au vote ou de vous demander vos questions, il convient de savoir que nous avions pris soin d'avoir un assistant de maîtrise d'ouvrage qui a scrupuleusement examiné ces volumineux documents et ces propositions et que la commission d'appel d'offres du 15 décembre s'est prononcée à l'unanimité de ses membres, je veux dire à la fois la majorité et l'opposition. Y a-t-il des questions ? Il n'y a pas de questions. Nous pouvons donc procéder au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Merci beaucoup. Je voudrais faire un petit point, si vous voulez bien, en ce qui concerne la crise du coronavirus. Juste pour vous dire quatre choses. La première, c'est que nous allons, la semaine prochaine, distribuer des masques grand public. L'organisation sera réalisée au niveau du foyer de l'auditorium, donc du lundi 18 au vendredi 22 janvier. Lundi 18 de 9h à 12h, mardi 19 de 14h à 16h, mercredi 20 de 9h à midi, jeudi 21 de 14h à 16h et vendredi 22 de 9h à midi. Vous dire aussi en deuxième point qu'une antenne de vaccination Covid organisée par la métropole Nice-Côte d'Azur va être mise en place au gymnase de Beaulieu-sur-Mer toute la journée du 22 janvier, vendredi 22 janvier. Cette vaccination est destinée aux personnes âgées de plus de 75 ans habitant à Villefranche, à Saint-Jean, à Aise et à Beaulieu, aux personnes qui auront 75 ans en 2021, aux pompiers de plus de 50 ans, aux pompiers de moins de 50 ans ayant une maladie, au personnel soignant de plus de 50 ans et au personnel soignant de moins de 50 ans ayant une maladie. Pour en bénéficier, il faut s'inscrire par Internet sur la plateforme de la métropole ou par téléphone sur la plateforme électronique au 04 97 13 56 00. Les services de la mairie et du CCAS vont contacter le maximum de personnes concernées à Villefranche pour les aider dans l'inscription et dans leur démarche. Et la métropole contactera directement la personne retenue pour être vaccinée pour lui communiquer son heure de passage vendredi prochain.
il y aura une autre séquence qui sera organisée à Cap-d'Ail le 29 janvier. Le troisième point dont je voulais vous informer, c'est que nous avons fait une demande auprès de l'ARS PACA et du préfet des Alpes-Maritimes pour obtenir un centre de vaccination permanent à Villefranche. Nous avons fait cette demande au nom des quatre maires, des quatre villes, et donc des quatre maires de Villefranche, Beaulieu, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Aise-sur-Mer. Et donc j'ai fait cette demande après un entretien téléphonique avec le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, auprès du délégué départemental de la RSPACA, M. Romain Alexandre, par un mail officiel en date du 12 janvier à 18h01. Et donc je vous le lis très simplement. Monsieur le délégué départemental, après concertation avec mes collègues maires de Beaulieu-Saint-Jean et Aise, je vous confirme être en capacité d'organiser à Villefranche-sur-Mer un centre de vaccination destiné aux habitants de nos quatre communes. Ce centre serait installé sous le chapiteau de la citadelle, pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes et accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous sommes en mesure de nous conformer aux dispositions des lignes directrices édictées par le ministère des Solidarités et de la Santé diffusées le 11 janvier, donc la veille de la demande. Ce site peut disposer d'une salle d'attente pour 20 personnes, de 2 salles pour les médecins et infirmiers, de 10 boxes de vaccination, d'une salle d'observation de 10 fauteuils, d'une salle de préparation des doses vaccinales, d'un accès téléphonique et informatique, d'un secrétariat afin de tenir en temps réel le registre des vaccinations et assurer la transmission quotidienne à l'ARS des personnes vaccinées, de réfrigérateurs conformes pour l'entreposage des vaccins. Les médecins et infirmiers seront fournis par les communes. L'ouverture du centre pourrait se faire du lundi au vendredi de 9h à 17h pour tenir compte du couvre-feu. L'encadrement sera assuré par les pompiers de la caserne du Pont-Saint-Jean et la présence des policiers municipaux des quatre communes. Une surveillance médicale post-vaccinale sera assurée et, en cas d'événement indésirable, l'ARS sera immédiatement avertie et le patient transféré au CHU de Nice. Je me porte garant de l'organisation de ce site de vaccination et reste à votre disposition pour une mise en place dans les meilleurs délais possibles. Formule de politesse. À ce jour, je n'ai pas eu de réponse du préfet ni de l'ARS PACA. J'observe que des centres de vaccination ont été mis en place à Antibes, au Canet, à Grasse, à Nice, à Mandelieu et aussi à la Trinité. Qu'il y a des craintes pour l'approvisionnement. J'observe que le Conseil départemental 06 a été missionné par l'État pour mettre en place des centres de vaccination dans les communes du département hors métropole, c'est-à-dire hors les 49 communes appartenant à la métropole. Et j'observe enfin que la région PACA est aujourd'hui en dernière position de toutes les régions de France pour le nombre de vaccinés. Et donc, si vous en êtes d'accord, je me fais fort d'insister fortement pour que nous puissions avoir l'ouverture de ce centre de vaccination à Villefranche pour les quatre communes. Donc ça fait à peu près 10 000 personnes. Ça fait à peu près 5 000 personnes à vacciner. Ce centre pourrait vacciner, à mon sens, au moins 100 personnes, voire 150 personnes par jour. Et donc, en 2 mois, février-mars, par exemple, nous pourrions vacciner l'intégralité de la population, ce qui éviterait aux gens un certain nombre de désagréments, notamment de listes d'attente trop importantes et aussi de trajets vers Nice en ce temps de coronavirus. Je pense que si nous ne l'obtenions pas, ça serait assez symbolique de l'excès de bureaucratie administrative qui nous pénalise beaucoup afin de vacciner au plus vite la population. Parce que je crois qu'il y a vraiment un changement de tendance maintenant dans la population, c'est-à-dire que maintenant, les gens, ils ont vraiment envie d'être vaccinés. Et on va rapidement passer de 40% de patients qui souhaitent être vaccinés, vous verrez, à 60, 70, 80. Hein ? Voilà, donc je pense que c'est vraiment important. J'ai moi-même été vacciné cette semaine, puisque je suis personnel soignant de plus de 50 ans, c'est-à-dire un peu âgé déjà pour les personnels soignants.
Et donc, j'ai été vacciné à la clinique Saint-Antoine, où je travaille, où il y a un centre de vaccination, sans aucun effet secondaire. Et moi, je vous engage vraiment à être vacciné, même si certains, ici même, au sein du conseil municipal, Charlie, sont un peu réticents. Voilà, moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. J'ai toute confiance dans les médecins, dans les chercheurs, dans les vaccins. Je regrette un peu que M. Poupart ne soit pas là pour lui dire tout ça en direct. Sylvie, je pense qu'il faudra le contacter. Et puis, je voulais vous informer d'un quatrième point qui me semble aussi très important. C'est la situation à l'EHPAD de Villefranche. Aujourd'hui, nous avons 6 cas positifs parmi les résidents qui viennent d'être diagnostiqués. Les visites à l'escalinada ont donc été interrompues. Les résidents ont été mis à l'isolement au sein d'une unité Covid. Bon, on espère que ça ne va pas flamber à l'escalinada. Mais il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que dans les maisons de retraite de Villefranche, la vaccination a débuté cette semaine. Vous savez que les doses étaient centralisées au CHU de Nice, et donc les doses sont en train d'arriver dans les différents EHPAD. Et il y a 60 résidents qui ont été vaccinés et une vingtaine de membres du personnel. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà, on est encore en pleine crise du coronavirus et il faut vraiment se faire vacciner pour que ça s'arrête. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Pas de remarques, pas de questions. Voilà, merci à toutes et à tous d'être venus. Je vous souhaite un bon week-end. On n'est pas encore confinés, mais vous savez que la troisième vague n'est pas loin d'être là et que, bon, il y a le couvre-feu national à 18h et qu'il y a une possibilité qu'il y ait un troisième confinement assez rapidement. Voilà, on continue. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bon week-end.